Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et aujourd'hui j'ai envie de changer de couleur de cheveux. Ça fait longtemps, hein, j'ai fait des tests avec les couleurs que j'ai achetées chez Produo et du coup là j'ai envie de changer complètement et je sais que Schwarzkopf c'est une valeur sûre. Donc voilà, je suis allée chercher de coloration. Comment vous dire que j'en ai marre du blond? Je fais des couleurs là maintenant. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait. À chaque fois, je fais les racines blondes chez le coiffeur. Et du coup, là, ça a super bien poussé. J'y étais début juin hein, pour le baptême de mon fils. Et regardez déjà les racines. Attendez, je sais pas comment je fais. J'ai les cheveux qui regressent grave vite parce que j'ai chaud, je transpire. Et là, c'est déjà augmenté de ça. Vous voyez, j'y étais juin, début juin. On est début juillet et j'ai déjà une sacrée repousse. Il pousse vite et j'ai un petit secret. Voilà. Donc, je suis hyper contente là maintenant. C'est plus les hormones qui me font pousser les cheveux. J'ai pris une relève. Et du coup, là, on va faire une coloration. Alors, pour la longueur de mes cheveux, une couleur ne suffit pas en fait, donc j'ai pris deux couleurs, mais attention, je vais faire un petit mélange. Alors, j'ai décidé, tananana, de faire un genre de cerise noire ultraviolet. Donc, je vais mélanger ces deux couleurs parce que j'avais très envie d'un violet comme ça et d'un cerise comme ça pour faire un joli bordeaux. Donc, je vais mélanger ces deux couleurs pour faire un super beau bordeaux. Donc, bah, c'est parti, on va chercher le bol. Et tout ça, j'ai mis un vieux t-shirt à mon homme, il dira rien. C'est pas grave et on va commencer tout ça. Donc, dans les colorations, il y a la couleur. Voilà, la couleur crème. Il y a l'oxydant et il y a le après-shampoing, le soin, je voulais dire. Voilà. Donc, on va commencer. On va essayer de ne pas faire de conneries et on va essayer que ça m'aille hein, quand même. Attends, tu veux que je te filme comme ça pour montrer comment? Voilà, donc c'est parti. Et si je fais une connerie, eh ben, j'irai chez le coiffeur demain. Voilà. Donc on commence tout de suite. J'ai pas mis de serviette parce que je m'en fous. Bah c'est parti. Je vais dans la salle de bain et on se retrouve. Voilà, donc j'ai posé là. Je m'en suis mis partout. Là. Mais bon, ça va partir parce que quand j'avais fait le CAP coiffure, j'avais des lingettes pour faire partir la couleur, donc ça va. Là, je vais laisser poser. Et oh mon Dieu, j'ai peur, ça va faire un choc. Je ne sais pas si j'ai fait une connerie, mais en tout cas, je ne sais pas si je suis déjà en train de regretter ou pas. J'ai failli toucher mes rideaux blancs avec mes cheveux. Mon Dieu, faut pas que je fasse de conneries, hein. Mais je suis déjà en train un petit peu de peut-être regretter, je ne sais pas. Voilà tout le monde, le résultat final. J'avais trop envie de changement. En fait, ça va s'estomper du coup au lavage, hein, forcément. Et ça restera pas foncé comme ça. Là, c'est bien sûr la première pose, le premier lavage et tout. Mais franchement, je suis plutôt contente. Voilà, faut oser le changement. Là, je sais que mon blond va forcément me manquer et tout, mais ça va. Je trouve que je l'ai bien réussi. J'ai bien fait homogène. Il n'y a plus de blond, rien du tout. C'est vraiment, ouais, je l'ai bien faite en fait. Je suis contente d'avoir bien réalisé ça. Et du coup, ouais, j'ai hâte que ça s'estompe un tout petit peu parce que là, c'est vraiment beaucoup foncé. Mais je pense qu'au bout de bon, allez, si lavage, ça sera déjà beaucoup plus clair. Et voilà. Donc, voilà. Coucou à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le lendemain. Donc, on est vendredi. Et Laetitia, donc ma copine, m'a donné envie de ressortir un laser. Donc, je ne voulais jamais montrer parce que je l'ai acheté après ma formation. Parce que je voulais me faire des boucles d'oreilles, en fait, juste avant d'avoir la Cricut. Je voulais me lancer dans un truc de découpe
Et finalement, je n'ai jamais su m'en servir. Et entre-temps, elle s'est acheté un laser, une fraiseuse, bref. Elle fait beaucoup de créations. Je peux vous mettre, si vous voulez, quelques petites créations qu'elle fait, si vous voulez passer commande. Donc du coup, moi, j'ai sorti mon laser, en fait. Je n'arrive pas à couper encore avec parce que j'arrive pas à le programmer. Je l'ai bien monté. J'aurais dû faire une vidéo sur le montage, mais j'avais vraiment pas le temps avec le petit et tout. Mais en tout cas, là, elle m'a donné les paramètres pour graver et pas pour couper. Donc du coup, ben, au moins, je ne l'ai pas acheté pour rien. J'aurais peut-être déjà pu essayer de faire des gravures. Parce que regardez, je l'ai ressorti, mais ça fait une catastrophe. Donc voilà, là, j'ai essayé de couper une forme de boucle d'oreille. Ça n'a pas fait. Ouais, il y a vraiment des tests, c'est loupé. Donc là, je vais essayer de graver de graver, ouais, une image. Je sais pas ce que ça va donner avec les paramètres qu'elle m'a dit de faire, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va fonctionner, quoi, parce que j'ai pas envie de l'avoir acheté pour rien, ce truc, depuis longtemps en plus. Par contre, faut que je mette les lunettes pour regarder. Parce que c'est un laser et on n'a pas le droit de regarder sans les lunettes. Donc bref, on verra ce que ça va donner. Sinon, je ne sais pas quoi faire avec ce truc. Je ne sais pas, j'ai regardé des tutos, je n'arrive pas à découper, je n'arrive pas à faire. En fait, ça prend feu le truc, c'est hyper dangereux. Donc, en tout cas, voilà quoi, c'est la Atom Stack. Bref, j'attends ma lame Cricut et je verrai si j'arriverai enfin à découper les boucles d'oreilles que je veux. Voilà. Par contre, faut aérer chez vous parce que ça pue le cramer, hein, ça pique le nez, c'est bof quoi. Ouais, il en est là. Mais je crois que ça ne fait rien. Ça va juste me faire un gros carré noir en fait, c'est tout. Bon, ben j'y arrive pas. Je ne comprends pas la machine. Donc j'abandonne. Coucou, donc là je suis sur la route pour aller faire un massage. Voilà. On est samedi. Petite pause en terrasse. Trop bien. J'ai déjà croqué dans ma gaufre. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 29, il me semble. J'ai fait les achats scolaires avec Clara. C'était difficile avec le bébé, enfin ça a été encore. Il n'a pas fait trop de pleurs-ries, mais ça a été, franchement non, ça a été. C'était juste un peu embêtant sortir le siège auto, la poussette, machin, le remettre dedans et tout. Mais sinon, voilà, c'était bien. On a fait tout ce qu'il fallait, les affaires sont bouclées. Je vous ai tourné le hall, le mini hall des achats scolaires. Et là, je voulais vous montrer aussi, j'avais une fois eu une box. Je sais pas si vous vous rappelez. Et on m'avait envoyé des graines. Et du coup, bah, mon plant de tomates cerises est sorti. Et on a des petites tomates. Elles sont pas encore rouges, mais on a des petites tomates. Et je vais vous les montrer. Voilà nos petites tomates cerises qui sont de sortie. Voilà, donc on attend juste qu'elles rougissent. Là, il y en a des petites encore. Voilà. Un petit midi au resto chinois avec Clara et bébé. Voilà. Et après, on va faire un tour en ville, faire du shopping. N'est-ce pas? C'est trop bon. Ça fait trop plaisir. Donc là, je viens de terminer mon sport en fait. Et je suis pas du tout tranquille toute seule en forêt là. J'entends des bruits derrière les buissons, j'entends plein de trucs. Et ça fait un petit peu flipper. Ouh, en plus ici il fait sombre et tout. Ça fait peur. Je vais rester avec vous, hein. Bon, je vais me remettre à courir en fait, je pense. Parce que je suis pas du tout tranquille ici et j'ai hâte de passer ce chemin la journée, ça va. Mais alors quand il fait sombre comme ça, j'ai horreur. C'est horrible. Je passe plus là toute seule. Vraiment. Je passe plus du tout là toute seule.
c'est dangereux. La journée est passée, nous voici au lendemain soir. Voilà, donc c'est parti pour la séance de sport. Donc il y a moi, Clara et la copine de Clara. Donc c'est parti, on trottine. C'est bon comme ça? Oui, parfait. Allez Jennifer, un peu de nerf. On est là pour faire du sport. On n'est pas là pour enfiler des perles. Hein. C'est bien. Ouais. C'est un travail satisfaisant. Ah, j'en ai fait 20. Allez. Coucou à tous, alors aujourd'hui nous sommes lundi le 2 août il me semble et il va être midi, donc là j'ai fait un repas. Du coup on a encore Clara et sa copine qui est ici. Ce matin j'ai trié tout mon sac parce que j'ai changé de sac en fait pour les vacances puisque mon sac à main était cassé, la lanière. Donc pour partir en vacances, j'ai pris un nouveau. Donc du coup, j'ai trié tout mon sac à main. J'ai vidé aussi toutes les photos de mon téléphone pour avoir de la place pour les nouvelles photos des vacances et tout. Parce que je vais en faire pas mal. J'ai trop besoin de ça. Trop besoin de faire des photos pour avoir des souvenirs. Et aujourd'hui, nous allons chercher donc les valises au garage. Et on va commencer un petit peu... à faire les valises. On va pas emmener grand chose puisqu'on a la poussette, on aura les couches, on aura plein de trucs à emmener pour bébé. Donc du coup nous les valises seront restreintes. On est dans un appartement que j'ai loué, donc du coup il y a une machine à laver là-bas, alors je vais prendre les lessives et on lavera et puis c'est tout quoi en fait. Voilà, donc je vais pas prendre grand chose, je vais prendre trois pyjamas, je vais prendre pour chacun, je prends ouais, vraiment pas grand chose en fait, et ça va le faire quoi. Donc là je suis en train de préparer la valise de mon poupi avec les sandales, les sandalettes de plage, la sortie de bain, ensuite j'ai pris trois bavettes, ça devrait suffire puisque j'en ai encore une dans mon sac à main comme d'habitude et une dans le sac à langer. Ensuite j'ai préparé des petits body, le short, un petit pull au cas où, pull fin. Des barboteuses, là j'ai préparé des pyjamas et il y a encore 2-3 trucs à la machine et au sèche-linge que j'ai pas encore préparé. Ensuite on va lui emmener des petits jouets, j'ai pas tout là parce que c'est ici, voilà. Ensuite une crème pour le change au cas où, brosse à dents dentifrice, du sérum Fi, un thermomètre, dedans il y a des doliprane pour les garder au frais. Un paquet de couches plein, les lingettes, les couches pour la piscine. J'ai aussi préparé le petit maillot de bain. D'ailleurs, il est où? Petit maillot de bain, il est là. Voilà. Voilà. Et comme dit, là, il y a encore le sèche-linge qui tourne. Ensuite, j'ai bien mis à jour le sac à langer avec le chauffe-biberon et l'allume-cigare pour le chauffer dans la voiture. Il y a un biberon dedans. J'ai pris la tétine fruits puisque là-bas, on va lui donner pas mal de fruits. Je ne sais pas si je vais en prendre deux, je verrai. Mais en tout cas, là, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du rechange aussi à l'intérieur, couche, lingette, tout ce qu'il faut. Voilà pour lui déjà. Et comme dit, ouais, j'attends que le sèche-linge se termine pour lui mettre encore des affaires. Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on est mardi. Et aujourd'hui, je mets à jour toutes mes machines à laver pour que justement, en rentrant de vacances, j'ai pas 3 tonnes à laver en fait. Donc je fais déjà tout ce qu'il y a à faire à la maison pour que je sois tranquille lors du retour. Comme il y aura déjà toutes les machines, je pense, au retour. Bon, après, comme c'est un appartement et qu'il y a une machine à laver, on fera sûrement les lessives là-bas pour que quand on rentre, on n'ait rien besoin de faire, juste à sortir des valises et tout ranger à nouveau dans les placards, quoi. Voilà, moi, je suis contente parce que ben tout est prêt, ça avance doucement, donc les affaires scolaires sont déjà finies en fait, il n'y a plus ça à penser, tout est bouclé. Les valises sont presque finies, restera juste les trucs de dernière minute.
Et voilà, je ne sais pas si je vous ai parlé, je me suis inscrite à une nouvelle formation réflexologie palmaire crânienne faciale auriculaire. C'est juste trop passionnant, trop génial. J'arrête pas de faire des formations, je suis trop 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 contente. Et j'ai eu mon QCM hier et je l'ai eu à 77% de réussite. Donc voilà. Ils vont m'envoyer donc le diplôme très bientôt. Et je suis contente parce que j'ai ça en plus sur ma carte des massages. Voilà, donc prochaine formation, oui, vous allez me dire, elle arrête pas, elle arrête pas. Je vous parlerai plus tard, mais je me suis aussi inscrite à une nouvelle formation pour analyser les personnalités des personnes, en fait, voilà. Donc je suis trop passionnée et tant que je suis pas satisfaite, en fait, je vais faire des formations. Parce qu'il y a trop de trucs intéressants. Ça dure pas longtemps, c'est accessible pour moi. Parce que ça dure pas trop longtemps dans le temps pour le petit. Bon, il y a beaucoup de révisions à la maison. Je vous cache pas que c'est sport hein, d'avoir trois enfants, d'avoir la maison à tenir, les enfants à s'occuper, dont un bébé, des ados et réviser donc moi-même pour mes cours en fait. Je me suis fait des classeurs, je me suis. J'ai bien trié mes cours, j'ai les vidéos de cours aussi qui sont fournies avec, donc ils nous fournissent les DVD et tout ça pour suivre les cours. Donc il y a en présentiel et en distanciel. Et du coup, ben, moi j'avais fait présentiel et là, ben, comme je suis assez apte, je comprends les termes et tout, j'ai fait en distanciel et c'est franchement trop bien. Donc, ben. Ouais, c'est mieux d'apprendre quand c'est une classe avec des gens et tout, c'est clair. Mais toute seule, j'ai une capacité d'apprendre et de retenir assez vite. Du coup, lors de mes insomnies et tout, je regardais les cours et j'ai permis d'assimiler assez rapidement. Et je fais mes formations assez rapidement, ouais. Donc, je suis hyper contente. Je vous ferai de toute façon une vidéo à la rentrée, je pense, consacrée à mes formations. À l'organisation et voilà tout ce que je vais proposer à ma carte de massage quand je serai à mon compte. Voilà. Donc sur ce, je vais arrêter ce vlog-là pour en reprendre un nouveau puisqu'il va être long et puis c'est vraiment depuis longtemps que il est sur 2 semaines mais c'est vraiment des petites parties, c'est quand j'ai le temps je filme et vous avez vraiment 2 ou 3 semaines là de vlog compacté. Bien sûr, je filme quand j'ai le temps, ce que je veux, ce que je peux. Ce que j'ai envie et voilà. Donc, du coup, je vous fais des bisous et je reprends un nouveau vlog. Ciao!